Intérieur, extérieur, Tchécoslovaquie, voiture, nuit. La route n'est pas très bonne. Il pleut. Parfois, ils croisent de gros camions qui les éclaboussent. De loin en loin, des lumières de village. Un long silence entre eux. Rentrant à Paris, je m'occupe de la corvée. Quelle corvée? Le mariage. T'es sûr que qu'on peut pas s'en passer? C'est pas pour nous. Ouais, c'est toujours pareil. C'est pour l'enfant, c'est pour les impôts, la sécu, les parents. On se marie ou on se marie pas, mais si on le fait, on se cherche pas d'excuses. Laissez-moi tranquille. Marie est trempée, sa jupe tachée, son bas filé. Elle se relève péniblement, elle s'est fait mal à la jambe. Et regarde Sabine droit dans les yeux. C'est vous qui allez m'écouter. Il me dit tout. C'est comme ça entre nous. Depuis toujours. Tout ce que vous avez à me dire, je le sais et je m'en fous. Je te dis quelque chose. J'ai quitté Nathalie. On se connaît pas, mais... On se connaît. Arrête, tu me fais peur. Il suffit que j'appuie en faisant un peu glisser la lame pour que tu sois entièrement à moi. Pour toujours. Écoute, Sabine. Si tu veux pas comprendre, c'est tes affaires. Je crois que j'ai été très clair. Au théâtre, c'est toi ou moi. Pas les deux ensemble. Pour une chose. Tu m'as pas dit comment il s'appelait. Il s'appelle Stéphane. Comme toi.